Hey yo les dudes, j'espère que vous allez bien, comment ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que je vous ai teasée sur les réseaux sociaux il n'y a pas très longtemps. On va s'ouvrir un petit paquet de Dragon Shield. Donc je ne connaissais pas du tout ces sleeves, c'est des sleeves visiblement de haute qualité. Il y a le youtubeur Obscurity qui en a parlé il n'y a pas très longtemps en disant que c'était les meilleurs sleeves, etc. Moi du coup j'étais curieux, parce que c'est vrai que j'ai testé pas mal de sleeves, notamment les sleeves AliExpress, où j'ai fait une petite vidéo qui doit apparaître par là ou de l'autre côté, je sais jamais quel côté ça apparaît. Je vous ai fait une petite vidéo sur ça il n'y a pas très longtemps, c'est vrai qu'elles étaient pas ouf. J'ai des sleeves ultra pro, c'est des bonnes sleeves mais sans plus. J'ai des sleeves tirés du jeu Magic, voilà, j'ai plein de sleeves différents. C'est vrai que j'avais jamais eu de Dragon Shield et je sais pas du coup vraiment ce que ça donne, ce que ça vaut exactement. Et bah voilà, j'étais curieux. Pour la petite histoire, pour le petit coup de gueule entre parenthèses, j'étais à Clermont-Ferrand il y a quelques temps, c'est là où j'ai acheté ces cartes là et en fait... là où j'habite moi, il n'y a plus de boutiques de cartes, ça n'existe plus, elles ont fermé. Et du coup, j'étais à Clermont, je vois qu'il y a des boutiques de cartes dans le coin, donc je me dis, bah, je vais aller voir, faire une petite visite dans une boutique. J'arrive dans une boutique et il y avait un tournoi en cours, un tournoi de cartes Magic, donc je me dis, bah, je vais pas les embêter, je vais aller voir un petit tour dans la boutique, voir ce qu'il en est. Je rentre dans la boutique et je vois qu'il y a une des personnes qui était en train de jouer, qui rentre et qui me surveille, entre guillemets. Donc je me rends compte que c'est le patron du magasin, et dans ce fameux magasin, donc je citerai pas de nom, hein, je veux pas d'ennui ni quoi que ce soit, c'est juste que j'étais vraiment très déçu. Dans ce fameux magasin, il n'y avait aucun produit qui était étiqueté. Donc forcément, pour savoir le prix de quoi que ce soit, il faut demander les questions à la personne. Donc je vois des sleeves Dragon Shield, je lui pose la question, je lui fais, bah, voilà, elles sont à combien? Donc, il me fait, bah, 5 euros. Elle me fait, mais c'est pour quel jeu? Bah, je lui fais, mais c'est pour Yu-Gi-Oh! Et il me fait très froidement, ça c'est des sleeves Magic. Je fais, ok, bon. Je regarde un petit peu plus loin, il y avait des sleeves du coup format carte Yu-Gi-Oh! Donc je lui redemande, il me fait, bah, c'est toujours 5 euros. Ok, je m'avance, il y avait toute une armoire de display avec des boosters, etc. Et moi, ce que je voulais, c'était la saveur des ténèbres pour compléter mon deck Merci Fourrure, et il n'y en avait pas. Bon, c'est pas très grave en soi, je peux comprendre qu'il y ait du rupture de stock. Et il me répond très froidement que de toute façon, les displays sont à 92 euros. L'air de dire, de toute façon, t'as pas l'argent pour en acheter. Bref, j'ai pris mon paquet de sleeves à 5 euros pour pouvoir vous en faire une vidéo, pour pouvoir vous en parler. Et je me suis tiré. Voilà, j'étais dégoûté parce que moi, j'ai plus de boutique de cartes dans le coin. Et ben là, je me retrouve à me faire presque virer d'un magasin. Et après, le mec s'est empressé de retourner jouer. J'ai eu l'impression de le faire jouer. Si tu veux jouer et pas tenir ton magasin, voilà, tu as des priorités, quoi. Enfin bref, parlons un petit peu de ces sleeves, c'est parti. Donc, c'est une boîte de sleeves assez sympa déjà parce que contrairement aux boîtes de sleeves classiques, elle est stylée, hein, clairement. On a le petit logo Dragon Shield, un fameux dragon, Apple Green Mate, 60 cartes au format japonais. Et ici, on a, si j'ai bien compris, alors c'est en anglais donc je ne l'ai pas encore traduit, mais on a tout simplement l'histoire du dragon en fait, du dragon qui est en photo ici. Donc ça, c'est carrément cool, clairement. Et puis ici, on a quelques petites informations, etc. Ici, j'ai pas lu. Voilà, il explique un petit peu le format des cartes, la texture, etc. Donc, on va aller s'ouvrir ça ensemble. J'ai pas du tout, ouvert ces cartes, ces sleeves-là encore. Je ne sais pas du tout comment elles sont. Je découvre vraiment ça avec vous dans cette vidéo. Hop. C'est sympa. C'est un. Je sais pas si vous voyez, c'est granuleux en fait. C'est granuleux. Elle marque pas. Je sais pas si vous vous rappelez quand j'avais fait la vidéo des cartes Magic, j'avais voulu voir ça et des cartes, des sleeves AliExpress, pardon. Elle marquait et là pas du tout. Pourtant, je maltraite bien le plastique et ça marque pas. Si ça marque un tout petit peu, mais bon, c'est pas. En même temps, je l'ai volontairement bien maltraité pour voir ce que ça donnait. Mais ça marque à peine par rapport à l'autre, j'avais à peine plié juste pour voir. Et c'est une carte assez. Je sais pas si vous voyez, mais la couche arrière est assez épaisse. Parce que j'ai une carte qui traîne là. Hop. Une carte espagnole, c'est pas bien méchant, mais. Ok, c'est pile poil le format. D'ailleurs, c'est presque dur de mettre la carte à l'intérieur. C'est une carte, c'est un protège-carte qui paraît lourd en main, qui paraît lourd en main et qui semble tellement bien protéger la carte, ça c'est ouf.
Pour le coup, je suis assez bluffé. Là, j'ai pas de. Enfin, mes sleeves sont derrière, donc je vais pas aller en chercher parce que sinon ça me fait sortir du format, ça me fait bouger ma caméra, etc. Mais par rapport à de l'Ultra Pro, par exemple, c'est sûr que c'est plus solide, quoi. C'est vrai qu'elles paraissent lourdes en main, donc c'est vrai que ça donne l'impression que les cartes sont bien protégées. Le plastique derrière, c'est sûr qu'il est plus épais que d'habitude. Et il est, je sais pas, vous voyez, cette petite. Cet aspect granuleux, quoi. Et puis, la carte à l'intérieur, elle est pile poil le bon format. Et puis, vraiment, elle a l'air lourde. Bon, je suis assez conquis par ces sleeves. À voir ce que ça donne en jeu, évidemment. Hein, mais déjà, là, en mettant une seule carte, je vais essayer d'en mettre une deuxième pour voir. En mettant une seule carte. Oui, j'ai un deck de structure espagnole qui traîne à côté de du plan de vidéo. C'est pour ça que je chope que des cartes espagnoles d'un deck dinosaure. Ah, ça a l'air assez sympa, ça a l'air de bien glisser. C'est vrai qu'en main, elles sont assez lourdes par rapport à des cartes. Ouais, par rapport à une carte normale, ça la rend un petit peu plus lourde. Ok. Écoutez, c'est assez sympa. C'est vrai que je suis plusieurs reprises, même sur les réseaux sociaux, vous m'avez dit oui, c'est les meilleurs sleeves qui existent, je ne serai pas déçu, etc. Effectivement, ça a l'air d'être carrément sympa. Je vous referai un petit topo sur les réseaux sociaux d'ici un petit moment suite à la sortie de cette vidéo pour vous dire ce que j'en pense suite à son utilisation, en fait, tout simplement. Mais là, à première vue, je suis carrément content de ces sleeves-là. Donc, c'est des sleeves, donc je les ai achetés en boutique, comme je vous expliquais tout à l'heure. C'est des sleeves que j'ai payé 5€. C'est grosso modo le prix de sleeves classiques. Alors, sur Internet, on peut trouver des Ultra Pro à 3-4€. C'est vrai. Après, la protection des cartes pour moi est super importante et du coup, je suis pas à 1€ près ou 2€ près pour rajouter un petit billet et avoir des bonnes sleeves. Et là, pour le coup, à première vue, j'utilise quand même des cartes et des sleeves depuis super longtemps. Et à première vue, c'est même ici, on dirait que c'est légèrement bombé, légèrement plus solide en fait, tout simplement. Bref, donc du coup, je suis carrément content de ces sleeves. Je voulais faire une petite vidéo avec vous, j'en suis content. Je suis surpris de la qualité. C'est vrai que quand on la froisse, elle marque pas. Elle a l'air un peu plus lourde en main. Ça c'est un peu gage de qualité de carte. Et puis, cet espace, cet effet un petit peu rugueux. Qui fait vachement solide en fait, tout simplement. Et c'est carrément sympa. Voilà, on va pas faire durer cette vidéo plus longtemps, on est déjà à 7 minutes de blabla. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si dans les commentaires vous utilisez une marque de sleeve bien particulière, si vous utilisez des Dragon Shield, si vous avez un paquet de Dragon Shield préféré, une couleur, quelque chose qui est vraiment différent. Moi, en tout cas, j'ai pris le vert parce que j'avais pas encore de sleeve vert, donc ça me permettait de changer un petit peu. Et puis, je voulais quand même tester ce produit-là. Encore une fois, je suis très déçu de la boutique où je les ai achetés. C'est vrai que c'est décevant de se faire virer d'une boutique de cartes alors que je suis joueur et passionné, quoi. Donc, y a pas de raison. Mais voilà. Si ça vous a plu, le petit pouce bleu, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé, si vous en voulez, si ça vous a plu, etc. N'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Vous êtes de plus en plus à me rejoindre sur la chaîne YouTube et ça ne fait qu'encourager mon travail. Je sors 2 vidéos par semaine depuis le début de la chaîne et c'est vrai que ce rythme là est quand même assez contraignant et si vous n'étiez pas là tous à vous abonner de plus en plus, à laisser des commentaires sur les réseaux sociaux, etc. C'est vrai que j'aurais un peu lâché l'éponge et c'est pas le cas parce que vous êtes là, donc c'est grâce à vous. Bref, je vous souhaite de faire de nombreux duels et collections de cartes. Prenez soin de vous et surtout à bientôt. Allez, ciao.